Et bonsoir à tous et bienvenue sur la boutique Retro Gaming. Je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les mercredis. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un agréable début de semaine. Installez-vous confortablement puisque on va faire de la rétro suggestion comme tous les mercredis, vous le savez. Bonne année si on ne s'est pas déjà vu depuis le début d'année. Et merci Hicham Stex pour ton like, bienvenue sur la chaîne et salut à tous. Bien sûr, je vois tous vos messages, merci pour les likes. Posez-vous tranquillement, on va faire de la rétro-suggestion. Si vous avez des jeux à me suggérer, vous pouvez me les suggérer. Si je l'ai, je le mettrai. Si je ne l'ai pas, je me le note sur ma feuille. Et puis, peut-être, si je suis de bonne humeur et que j'ai du temps, on le fera sur la semaine d'après. En tout cas, je me débrouillerai pour le mettre pour la semaine d'après. On va jouer sur la Retrobox 4Tera de la boutique Retro Gaming. Je rappelle que si cette console vous intéresse ou n'importe quelle autre console de la boutique Retro Gaming vous intéresse, vous pouvez utiliser le magnifique code promo J10 JAY10 pour avoir une réduction sur votre commande. Et ça, c'est magnifique. On va passer tout de suite sur la console. Attention, transition magique. Paf! Voilà. Alors. Pourquoi mort de rire? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai encore rien fait pour l'instant. Alors voilà, donc j'étais en train de regarder le menu principal parce que, bien évidemment, j'ai eu 3 minutes avant de lancer le live où j'ai pu regarder des choses dans la console. Et donc, alors qu'est-ce que j'ai vu? On voit déjà que c'est marqué juste ici, il y a 84 397 jeux. Et j'en ai mis deux en favori parce que voilà, j'aime faire tout le temps les mêmes choses, ça vous le savez. On est là, donc du coup là-dedans, voilà, j'ai mis ces deux jeux-là en favori. Il y a déjà des jeux qui étaient en... Ah non, ça c'est tous les jeux, voilà, tous les jeux qu'il y a dans le... Bon, je vais pas tous les faire un par un, mais il y a Okamiden d'ailleurs, peut-être qu'il faudra que je le teste un jour, Okamiden, sur Nintendo DS. Et donc, que dire sur cette console? Donc, ça démarre de... alors pour ma part, c'est Amiga 2600, on va dire, le premier modèle auquel j'ai joué, et ça va jusqu'à la PS3, PS3 qui est là, voilà. J'ai réparé ma manette aussi, donc on va pouvoir jouer à la PS3, ça c'est beau. J'ai quoi? Je veux le t-shirt de Jay, quoi. Attends, c'est un modèle en particulier que tu voudrais? Il faut qu'on fasse un design spécial, c'est ça? Truc de fou. Quel design tu veux? N'hésitez pas, hein, si vous avez des idées de design, mettez-le sur le Discord. Il s'affiche en dessous à un moment, il y aura l'icône Discord pour rejoindre le Discord. Oui, ah merde, il va falloir que je fasse un design spécial alors. On en discute. Bon, si vous n'avez pas de suggestions de jeu, pas de problème. On va tenter de terminer Metal Slug en un seul et unique crédit. C'est pas un souci, hein. Un jour j'y arriverai. Et après on va essayer de s'entraîner toujours à du speedrun Metal Gear Solid du coup. Si toujours pas de suggestions. Alors, une seule pièce, le son est très peu fort chez moi. Est-ce que c'est ok chez vous? C'est pas assez fort. Merci pour le partage, mon Seb, t'es trop mignon. Voilà. Faites comme Seb et partagez le live, c'est augmenter la communauté et donc du coup avoir de plus en plus de galères, de suggestions et de galères. Merci pour ton like également. Trop mignon, mon Seb. Toujours là, hein. Toujours au rendez-vous. Le taulier, le gars sûr. Alors, on va y arriver. Aujourd'hui, je prédis avant février. On arrive à le faire. C'est faux et je mérite de plus d'entraînement pour y arriver. Oh, ça commence très très mal déjà. Si on joue comme ça. Voilà. Et merci Kim Pedersen pour ton like. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Et bonne année également. Ce n'est pas un nom que je reconnais, donc bienvenue sur la chaîne. Salut Jay, je t'en supplie. Mortal Kombat 1 sur arcade, por favor, avec plaisir. Alors, attends, Mortal Kombat 1 sur arcade, ouais, ok. Je fais ma run de Metal Slug et tout de suite derrière, en fait. J'étais en train de réfléchir à savoir si je pouvais avoir une éventuelle condition qui bloquerait ou je sais pas. À part le fait que c'est très très gore et que donc du coup ça peut poser des problèmes aux jeunes personnes. Il n'y aura pas de problème. Et merci Frédéric Devilliers pour ton follow. Bienvenue sur la boutique Retro Gaming. On est en live, hein. Enfin on est en léger différé, comme dirait Alain Chabat. Enfin, en vrai c'est plutôt Bruno Salomon qui dit ça, mais
on est en léger différé, puisque je vis 5 secondes dans votre futur. Je t'en prie, fais ton run. C'est gentil, merci beaucoup. C'est pour vous montrer le talent. J'aimerais vous montrer le talent, si c'est possible. Mais t'inquiète, hein, je vais pas oublier Mortal Kombat 1 sur arcade. Au pire, si vraiment je l'oublie, tu me le redis, hein, t'inquiète. Je vais le mettre. Je le note. D'ailleurs, comme ça, je n'oublierai pas. Alors pourquoi particulièrement la version arcade? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce jeu? Super Double Dragon SNES. Je note. Ça marche. Alors qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi, sur la version arcade? Pourquoi tu veux voir cette version en particulier de Mortal Kombat? Est-ce qu'elle est plus jolie que les autres versions? Et 5000 points. Et mes points, ils sont où? Je l'ai raté. C'est pas la joie, hein. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué. Il y avait aucune raison de paniquer normalement. C'est la plus photoréaliste. Alors du coup tu parles duquel? De la première vraie version ou de la version attends non, je confonds avec Street Fighter, j'ai dit des bêtises. Parce qu'on a un Street Fighter The Movie aussi. The Movie, The Game. Est-ce que tu te rappelles de ce jeu incroyable? Salut Yann, comment ça va? Salut, merci Zavio FX, salut pour ton like, rien à voir. Merci pour le Pikachu, merci pour le like, bienvenue sur le live. Comment ça va? Et Poupi Kung Fu Master sur SNES. SNES, non pas SNES, sur NES, d'accord. J'essaie de m'en souvenir. Mais t'inquiète, je vais le mettre. Hein. Kung Fu Master. Attends, ça me dit quelque chose aussi. Kung Fu Master, on l'a pas déjà fait? Je l'ai raté. Pourquoi ça me dit quelque chose Kung Fu Master sur NES? Là, je vois Street Fighter Movie. Mais je parle bien de la version arcade. Ouais, ouais, j'ai compris. Mortal Kombat arcade, pas de problème. Oula. C'est bien ce que j'ai noté. Par contre, je connais pas les fatality. Oh, moi non plus, je connais pas du tout les touches et tout. C'est pas grave, on fera un combat nul, hein, avec juste des coups de poing et on va mourir en deux coups, mais c'est juste pour voir le jeu, quoi. On verra pas de gameplay dessus. Parce que moi, les jeux de combat, je suis pas très très bon. À part à la limite Marvel vs Capcom, parce que le jeu est assez permissif. Mais sinon. Alors qu'est-ce que j'ai raté comme suggestion? C'était quoi? Super Double Dragon, j'ai noté. Kung Fu Master NES. C'est noté. Après les fatalities, sinon ce que tu peux faire, c'est anticiper déjà les trucs pour faire les fatalities. Et comme ça, choisis le personnage et j'essaie de gagner et de te montrer une fatality. Mais alors je te promets rien du tout, quoi. Kung
Echo Master est aussi sorti sur Master System. Aucune idée, je suis obligé de te croire parce que ce jeu là, en fait, il me dit quelque chose de nom, mais il me dit rien de gameplay, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait en fait. C'est un jeu de karaté. Oui, de kung fu du coup j'imagine. Parce que sinon il y a Ika Plus, si tu veux voir un jeu de karaté. International Karaté Plus. Alors concentration. Ça va, je commence à mieux le gérer lui hein. Rocket launcher. Ika plus, ouais. Sur Amiga, ah ouais, mais alors Amiga, le truc c'est que ça se joue au clavier. Et du coup, les jeux clavier, je suis pas certain de pouvoir le lancer en fait. C'est un peu le problème. Enfin, le lancer, si. Mais d'y jouer en fait, c'est ça le truc qui m'inquiète. Merde, j'ai pas sauvé. N'importe quoi. Je fais prendre un dégât là. Et merci Gary Moore pour le like. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Oh, c'est quoi ce dégât? J'aurais jamais dû prendre ce dégât. Rocket launcher. Ah, attends, il y a une Street Fighter movie. Attends, tu parles du film ou du jeu? Les deux en fait. Les deux sont pourris. Il y a plus sur Amiga, c'est pourtant de kikiner. Ah d'accord. Ça va alors. Bah on pourrait, hein, en vrai on pourrait le lancer. Juste, est-ce que on est capable de jouer avec après? C'est un peu ça le problème. Je sais pas. Faudrait que je branche un clavier. Mission 4. Je sens pas trop la peau de l'ours, mais ça se passe quand même bien. Hein. Oh là là, ça a failli pas passer ça. Sauver lui quand même.
gratos. Merci Romain, chat. Et tchala, comment ça va mon Romain? Et bonne année, je crois pas, je sais plus si je te l'ai dit déjà la semaine dernière. Bienvenue sur le live. Comment ça va? Et merci Yann pour le like. Évidemment, faire des likes sur le live, ça permet de mettre plus de diffusion du live par l'algorithme de Facebook. Et donc plus de diffusion, c'est plus de gens qui viennent rigoler. On va peut-être le faire comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les sauver eux. Je pense qu'il faut sauver un autre gars. Hein. J'ai testé au clavier, c'est chaud. Ah ouais. Ça m'énerve à toi, merci beaucoup. Le meilleur code, oh oh baba, gauche-droite, BA. Ouais, ça, le Konami code, c'est. Tout à fait. Mais ce code-là, malheureusement, il est dispo que sur les jeux Konami. Et même pas tous en plus. Mais sinon, il y en a un autre aussi. Il y a le code de Aladdin. Je me souviens beaucoup de celui-là. ABBAABBA. Ça permet de passer le niveau et de passer au niveau suivant. Ce qui fait que tu peux finir le... Tu fais mourir. Tu peux finir le jeu assez rapidement, en fait. Du coup... Bon, c'est pas très drôle parce que du coup, tu joues pas au jeu, mais... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Fais ça. Des risques. Risques inutiles et bien trop dangereux. Je sais pas pourquoi je suis encore vivant, mais tant mieux. En plus, j'ai flame shot, vraiment pire arme. On va se concentrer quand même. Et merde, il va se barrer, il va se barrer, j'ai besoin des grenades qui sont dedans. Ou alors je peux peut-être le choper comme ça. Ah, je peux pas le récupérer. Bon, je l'ai sauvé, mais je peux pas le récupérer. Je suis vénère. Tant pis, j'en ai besoin. Darkstalkers. Ça, attends, il est dans Darkstalkers, ce code-là? Comment c'est possible? Darkstalkers, c'est pas un Capcom? Ou alors je confonds. Il semblait que c'était un jeu Capcom, Darkstalkers. Je devrais pas faire ça. Ah, le dégât. Dommage. Diantre. J'avais pas repositionné la mitrailleuse. Du coup là ça va être dangereux là. Faut que j'arrive à m'en sortir mieux. Ça passe. On peut le faire, on peut le faire. On y croit à mort. Je l'ai fait. Darkstalkers, tu veux le voir ou c'est juste parce que tu parlais du code au baba gauche droite BA start. Enfin oui, start. Le start il est optionnel, il est même pas sur tous les jeux.
Bon, mission 6, on a toutes nos vies. Va falloir continuer à jouer bien. On l'espère, on y croit à mort. C'est faux. Alors que je me souvienne. Ça se passe mal. J'ai fait n'importe quoi. Je l'ai eu trop tard. Oh la vache, n'importe quoi, je vais mourir. Putain. Oh là là, cette mission 6 aussi là. J'ai fait n'importe quoi, désolé. Pardon, je voulais vous montrer du gameplay, mais j'ai mal pris le début du pont et du coup après c'est flingué. Ok, voilà, tant pis, on a pas pu faire mieux que ça. Et j'ai perdu mes deux vies sur ça. Hein. Enfin, mes trois vies, quoi. Du coup, je suis second. Parce que, ouais, la semaine dernière, on a fait mieux. Hein. La semaine dernière, on est allé jusqu'au boss. On a failli réussir. Il restait plus beaucoup de vie au boss de fin. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Voilà. C'était la run Metal Slug. J'espère que ça vous a plu. On va pouvoir passer enfin aux suggestions de jeu, à savoir Mortal Kombat Arcade. Faudra que je change le thème. Alors je sais que la boutique, ils ont rajouté des nouveaux thèmes dans la console, thèmes que je n'ai pas, donc je peux pas vous les montrer. Mais il y en a un qui a l'air vraiment cool, donc il va falloir que je regarde comment faire pour ajouter le thème. Que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti, Mortal Kombat Arcade. C'est moi, c'est invalide. On s'en fout. On met une pièce. Alors, tu veux jouer avec qui? J'en ai mis deux, je crois. C'est lequel ton perso préféré? Parce qu'après, sinon, il y a Sub-Zero. C'est un peu la base, Sub-Zero. Cela dit... Ah, ça a choisi à ma place. Je sais pas qui ça a pris. Je crois que ça a pris Sub-Zero. C'est ça. Raiden, trop tard. C'est le problème de vivre dans le futur. C'est que du coup, ouais, j'ai... Alors on a les coups de pied qui sont là, les coups de poing qui sont là, ça fait rien du tout. Ah et si, ça doit être le... Il doit y avoir le coup fort, le coup pas fort. Donc les points ils sont là. Donc ça veut dire que si je veux faire de la magie, faut que je fasse ça. Je vais perdre. Sub-Zero win. J'ai failli perdre. J'essaye de faire des quarts de cercle mais... Ça marche pas. Ah, il me défonce par contre. Voilà. Je vais balancer la griffe avec des petits coups de poing comme ça. Et les coups c'est quoi du coup avec Raiden? Moi je veux bien jouer Raiden mais... Ça va, il m'a juste enlevé 75% de ma barre de vie en un coup. Tout va bien. D'accord. Ah, les musiques. C'est dingue. Comment on fait les coups?
Faut remettre deux pièces. Merde, du coup je voulais pas jouer avec Kaido. Merci Nico NDR pour ton like. Je voulais jouer, je voulais changer et mettre Aiden. Y'a pas plus de de coups spéciaux en fait. C'est ouf. Les combats ils durent pas longtemps en fait. J'arrive à rien. Oh! J'ai rien fait du tout. Tu crois que si je fais oh oh baba gauche droite BA ça va ça lui faire un truc? Et merci Hervé Léna Par pour ton like. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Merci Philippe, Philippe Latras également pour ton like. Bienvenue, bienvenue à vous. Oh là là. Comment il a esquivé ça? Je vais mourir. Paf! Ça je savais. Celui-là je me souvenais qu'avec l'uppercut ça marchait. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas si j'ai gagné. Apparemment. Merci Adrien Poil pour ton like. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Quelle esquive. Incroyable. Et merci Bruno Lefay également pour ton like. Bienvenue. Ah il m'a fait une chope. Ah on peut faire des chopes. Comment on fait? Pas comme ça visiblement. Ça va être long. Comment ça va les enfants? Est-ce que je vous ai souhaité la bonne année déjà? Si c'est pas le cas, eh bien bonne année. Si c'est le cas, eh bien c'est pas grave. Vous l'avez une deuxième fois. Oh, je suis passé à côté d'un truc là. Mais merde! On peut faire ça? Sub-Zero wins. Je savais pas qu'on pouvait, on pouvait glisser. Adieu. Par contre lui je peux jamais lui mettre de percute hein. Ah voilà. Oh j'ai réussi à faire un truc. Je sais pas comment j'ai fait mais Danger, ça rigole beaucoup là. Je suis mort. Aïe aïe aïe. Ça va papa Jess. Ça va et toi? La forme? Merci Jess, c'était magique. Les combats c'était pas très c'était pas super super au point on va dire. Je connais pas les trucs. Mais par contre c'est vrai qu'il est beau. Il est plus joli que sur sur Master System j'allais dire. Sur sur Mega Drive et Super NES. Mortal Kombat, le seul jeu où j'ai explosé une manette non officielle Sega. Mais comment t'as fait ton compte? C'est le jeu, il t'a saoulé, c'est ça? T'as essayé de l'éclater et ça a pas marché.
C'était Mortal Kombat Arcade. Je rappelle, hein, si vous voulez me suggérer des jeux, n'hésitez pas. Hein. Si je l'ai, je le mettrai. Alors ensuite, Super Double Dragon SNES. C'est où la Super Nintendo? C'est là. Et donc, Super Double Dragon, tac 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 tac. Ça m'a flingué les doigts du coup de jouer à Mortal Kombat. Alors. Super Double Dragon. Il est là. Le voilà. Et c'est brisant de mauvais plastique. Ah ouais. Ah, du coup, maintenant tu prends que des officiels. À cause de ça. J'imagine. Ah oh oui, la musique. Ambiançage. Bon, on va jouer au jeu quand même. L'ambiance c'est bien, mais le jeu c'est mieux. Ok, j'ai galéré à lancer alors que c'était juste start. Alors, on a un bouton qui fait rien. Ah si, je dis des bêtises, ça met des... Il y a un bouton qui permet de sauter. Un bouton qui met des coups de pied. Et je connais pas encore les boutons. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça a l'air d'être une garde. Je comprends pas encore les boutons. Quel ennui. C'est pas très dynamique. Hein. Désolé, mais moi, les beat'em up, j'ai toujours tendance à comparer à Street Fighter, à Streets of Rage. Et du coup, le fun est assez différent. Beat'em all d'ailleurs, pas beat'em up. En plus, ça garde beaucoup trop là. J'ai même pas le temps d'apprendre les boutons. J'ai pas passé le premier écran. Que je me fais déjà prendre un sandwich par deux Golbut. Il y a des coups spéciaux, c'est ça? Plus joli que la version Amstrad CPC. Alors attends, tu vas pas te faire des amis là. tu agresses l'Amstrad CPC là, tu vas avoir. Tous les tauliers là qui vont te flageller avec des orties. Il y a Target Renegade aussi. Qu'est-ce que c'est Target Renegade? Après des jeux du genre, il y en a vraiment plein. Heureusement. T'imagines si on avait que celui-là? Fait mes débuts dessus. Ah, du coup je comprends. C'est le côté nostalgie en fait qui parle. Parce que là, vraiment je compare la maniabilité du truc. Je compare beaucoup à Streets of Rage et du coup, c'est difficile de comparer et d'être objectif en fait. Parce que c'est moins rapide, les musiques sont moins bien, les graphismes sont moins beaux. Et globalement, c'est moins fun que Streets, quoi. Après, il est peut-être sorti avant aussi. Hein. En quelle année il est sorti celui-là? Double Dragon machin là. C'est quoi le 2? Pas le 2, non, Super Double Dragon, voilà. En quelle année il est sorti celui-là? Parce qu'il est peut-être. Il y a peut-être une excuse, il est peut-être sorti avant. Ah, oh, je me fais éclater par contre.
Je suis obligé de faire le héron là parce que du coup sinon tu peux pas les taper en fait. C'est pas une grenade quand même qu'il a dans les mains là, si? Si. Star Fox sur Nintendo 64 s'il te plaît. Yes. J'aime le noter. C'est noté. Aïe. De toute façon ça va être la fin là, je vais mourir. Ils peuvent tomber ou pas? Ils peuvent même pas tomber. Il y a un ascenseur dès le début et on peut pas tomber de l'ascenseur. Du coup, c'est quoi la surface utile de jeu là? Regardez-moi ça. Il peut pas tomber. Quelle tristesse. Je veux dire, même dans Shadow Dancer, tu peux tomber de l'ascenseur. Là, tu peux pas. Alors qu'ils sont rentrés littéralement par un trou qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc en toute logique, on devrait pouvoir... On devrait pouvoir. Non. Parce que là, ils arrivent de là. Ils devraient pouvoir tomber, non? Merci pour ça, mais je t'en prie. Avec plaisir. Ça sera après Kung Fu Master sur NES. Aïe. Je suis littéralement dessus, mais je peux pas le taper. Du coup, j'ai envie de me mettre Streets of Rage juste pour vous montrer la comparaison. Du pourquoi. Pourquoi le fun est. Est différent. Je vais mourir. Mais combien t'as de points de vie, toi? Je joue à Cuphead, trop beau. Comme je certains diraient Disney des années 50. Exactement. Et par contre, il est ultra dur. Cuphead, on l'a fait, on l'a pas fini encore. On le fait progressivement parce qu'il est très très énervant comme jeu. Parce que c'est vraiment dur. Il a été critiqué par les joueurs comme étant le Dark Souls platformer, tu vois. Difficile, hein. Mais très très beau, il est magnifique par contre Cuphead. Hein. Et merci Clément Magnin pour ton like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. À quand un remake de la Nintendo 64 avec les meilleurs jeux Mario, Donkey Kong, Zelda, Star Fox, toute ma jeunesse. Bah en fait tu l'as déjà dans ta Retrobox. La Retrobox, tu as toute la Nintendo 64. Mais effectivement Nintendo pourrait sortir une Nintendo 64 mini, c'est ce qui avait été... Ce qui avait été annoncé il y a quelques temps quand ils ont relancé la mode des consoles mini. Mais elle n'est pas sortie, je crois. Je crois qu'ils ont préféré faire les versions Super Mario sur Switch. Tu sais, le Mario 3D All-Star, je sais pas quoi là. Sur Switch. Salut Jawad, comment ça va ? DJ, ce serait sympa, Mario Land sur Game Boy. C'était bizarre de jouer à Mario dans un univers différent. Alors, je le note. Mario Land. Sur Game Boy. C'est noté. Merci JBGuan pour ton like, bienvenue. Ça devait être juste un boss rush à l'origine, Cuphead. Exactement. Mais en fait, tu le ressens bien, hein, le fait que c'est un boss rush. Hein.
Il y a 2-3. D'ailleurs, les phases de plateforme, il y en a quelques-unes. Elles sont. C'est les phases que j'aime pas en fait. Je préfère largement les phases de boss rush sur ce jeu. Je trouve pas Future Pinball sur la Retro 4TB. Je crois pas qu'il y soit en fait. Tout simplement. C'est très simple. En tout cas, moi je l'ai pas. Je regarde en mieux. Parce que c'est censé être dedans. Y a pas, hein. Y a pas de Future Pinball. Voilà. Désolé. Bonsoir à tous. Salut JB, comment ça va? Merci Jay pour ton explication sur ta table. Trop mignon. Merci beaucoup. Alors, Super Double Dragon SNES. Alors oui, tiens, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir en quelle année il était sorti. Alors faut que je retourne dessus. Elle est où la SNES? Tac. Il est sorti en 93. Aïe aïe aïe. Il est sorti 2 ans après. Il est sorti 2 ans après Streets of Rage sur Mega Drive, hein, quand même. Quel dommage de faire un jeu moins bien. Donc ensuite, Kung Fu Master sur NES. La NES, ça doit pas être bien. Elle est là. Kung Fu Master sur NES. Est-ce qu'il porte un autre nom? Qui c'est qu'il avait suggéré Kung Fu Master? J'ai Kung Fu, mais pas Kung Fu Master. Parce que c'est très peu probable qu'il y soit pas en jeu NES. Je pense que c'est ça, je pense que c'est juste Kung Fu, ça doit pas être Kung Fu Master. Test le jeu de Tatsunoko versus Capcom sur Wii. Alors. Je le mets. Mais je sais pas si je l'ai. Et surtout. Les jeux Wii. Il y en a beaucoup qui jouent à la Wiimote. Et j'ai pas de Wiimote. Donc, ça reste d'être vite bloquant. Alors, Kung Fu sur NES. Alors, c'est quoi les boutons? Je connais pas les boutons. On a un bouton de coup de poing, un bouton de coup de pied. Aïe! Aïe! Oh là là! On peut sauter! D'accord. Très bien. Je viens de comprendre. Désolé, je vais se concentrer là pour essayer de voir un peu du jeu. Oh là là, j'ai pas bien anticipé. Mais meurs! Quoi? Abusé. Je suis mort. En fait, il faut l'anticiper de fou, le perso. Il va me suivre toute la vie. Haha! Il peut pas tuer ses potes. Oh, je suis deg. Il peut pas tuer ses potes. Sur Master System, il est quand même mieux. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il a de mieux sur Master System? On va le lancer après. Juste pour regarder. Pour voir ce qui se passe. Évidemment, comme je me suis pas baissé. Oh là là. Mais meurs! C'est dingue ça. J'ai pas assez anticipé.
comment je vais faire? Il est ultra dur à buter, lui. Je m'attends le troisième étage. Attends, j'ai pas atteint le premier niveau, moi. Attends, je veux juste le lancer sur Master System pour essayer de comprendre pourquoi Sam nous dit ça. C'est où là? Galère pendant 1000 ans à trouver les consoles, il y a tellement de consoles. C'est là. Alors, donc, Kung Fu. C'est juste pas du tout le même jeu en fait. C'est pour ça du coup. Je réessaye hein, Kung Fu histoire qu'on en voit un peu plus. Faut utiliser l'ascenseur. Même style. Ah ouais mais bon. Est-ce qu'ils sont comparables du coup? Parce que si tu dis que c'est le même jeu mais qu'il est mieux sur... Tu vois, c'est comme si tu me disais que Aladdin était mieux sur Mega Drive que sur Super NES. Là, je comprendrais parce que du coup, c'est le même jeu mais pas dans la même édition en fait. Mais là, c'est pas le même jeu en fait. Alors après, ça empêche pas, tu vois, que l'autre jeu soit quand même plus fun, tu vois. Genre, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le coup du couteau là qui peut pas. C'est bon, j'ai gagné ou pas? C'est bon. Voilà. Ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a comparé Streets of Rage avec Super Double Dragon. Puisque du coup, c'est pas du tout le même jeu, mais. Mais effectivement, on est sur le même genre. C'est peut-être ça que tu voulais faire du coup. Tu sais que j'adore Sega, ouais. Bah. Du coup. Mais du coup, ça, c'est pas objectif. Je comprends tout à fait. Hein. Putain, par contre, les serpents, il m'a one shot en vrai. T'as jamais atteint le troisième étage, c'est ça? Donc là, c'est-à-dire que si j'atteins le troisième étage. Il fait peur. Aïe! Ah là, abusé! Ah ouais, mais putain, les serpents, ça rigole zéro. Hein. Je comprends que t'aies jamais atteint le troisième étage. Attends, on va tricher du coup. D'accord. Focus. Y'a un enfant. Je me bats contre des enfants. Ce jeu est trop bien. Adieu. J'atteins le troisième étage. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Non, tu l'as vu ça quand même, rassure-moi. Help me, Thomas! C'est parti. Bravo, merci beaucoup. C'est le talent. C'est la motivation de me battre contre des enfants, ça m'a boosté. J'ai pris un dégât quand même. Oh le bâtard! Je suis mort. On peut faire ça? D'accord. C'était ma dernière vie. Alors, j'atteins le troisième étage quand même. Du coup, PGM. Yes! Alors, ensuite. Star Fox 64 sur Nintendo 64.
Alors Star Fox, je crois pas y avoir déjà joué. J'ai joué sur Super Nintendo. Mais ça m'a pas marqué. Il doit pas s'appeler comme ça. Est-ce que ça serait pas... c'est pas genre Pilot Wings ou je sais pas quoi là. C'est pas, y a pas Fox dedans. Je regarde, mais il doit porter un autre nom. C'est quoi du coup l'autre nom? J'aimerais un petit Shinobi. Shinobi, alors moi le truc c'est que j'aime bien Shadow Dancer, mais est-ce que tu le considères comme un Lilith Wars? Ah oui, merci, effectivement ça doit être ça. Yes. Est-ce que tu considères, mon cher Seb, que Shadow Dancer est un Shinobi? Normalement il fait partie de la saga Shinobi. Mais est-ce que tu le comptes toi comme étant un shinobi? Je sais plus écrire. Ah, t'inquiète. Je l'ai pigé, j'ai réussi à le retrouver. Du coup. Training. Ok, ça fait ça. Ça fait quoi? Ça balance des grosses bombes. Ça c'est ok, et ça fait rien. Est-ce que si je vais là je meurs? Non. Comment on tire déjà? Comme ça. Ah, on peut charger les trucs. Esquive. Merde, du coup j'ai pas chopé tous les trucs. Est-ce que je peux cibler plusieurs personnes en même temps? Pas du tout. Comment on fait les barrel rolls? Normalement on est pas censé pouvoir faire des barrel rolls. Ça y est, j'ai trouvé. Lock un ennemi. Mais comment? Je peux pas les lock. Ça marche pas le lock. Ça peut en locker qu'un seul. Shadow Dancer, c'est celui avec le chien. Tout à fait. C'est celui que je préfère, moi. Mais par contre, Shadow Dancer Mega Drive. Alors après, je sais qu'il est plus joli sur arcade. Mais Mega Drive, hein, quand même. C'est pas du tout objectif. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Speed and U-turn. Comment on fait? Troisième jeu que j'ai acheté sur la N64, Jap à l'époque. Appuyez sur C. Mais alors c'est lequel le bouton C par contre? C'est ça? Pas du tout. Je suis mort. Je sais pas du tout comment on joue. Ah, c'est ça les boutons C. Allez, je sais où il est. Enfin, je crois. Non, je sais pas où il est. Je sais pas ce que je suis en train de faire.
je fais n'importe quoi. Response to message. Tac, ça marche pas. Du coup, ça doit pas être le bon bouton. Ah, c'est bizarre par contre que ça soit mappé comme ça. Moving to orange mode. J'ai pas tout compris, hein. Je vous avoue que là, ça ressemble à du Afterburner avec de la 3D. Oh là là, ah ouais, mais c'est alors largement moins dynamique que Afterburner. Afterburner, il est ultra vénère hein, à côté. Mais il est, je sais pas, il est plus axé arcade, je dirais. Comment on fait pour cibler les gens là? Effect is greater if you hold the button, yes. Le U-turn, je peux pas le faire. Il doit y avoir un. Je dois pas être mappé sur. Il doit y avoir un bouton que je suis pas mappé. Parce que j'arrive pas à faire le U-turn. Et j'arrive pas à. J'arrive pas non plus à cibler plusieurs ennemis en même temps. Pour une raison qui m'échappe. Mais en même temps, j'ai jamais joué au jeu, donc. Il y a peut-être un truc très clair. Hein. J'essaye des trucs, mais. Ça veut pas. Ça fait pas ce que je crois. Tant pis. Du coup, ça va vite être très long s'il faut que je tue tout le monde. Est-ce que j'ai pris le message là? Je sais pas. On saura jamais. Start and choose kit to kit. Je peux même pas kit. Ok, il y, y a un souci quand même. Il y a quand même un, il y a quand même un truc qui se passe pas correctement parce que start et kit. Ah si ça y est. Okay. Très bien. Et bah j'ai pas tout compris. Salut Ansemir, comment ça va? La forme? Fait partie des meilleurs jeux pour moi avec Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Donkey Kong et Mario 64. Tu mets même pas GoldenEye dans ta liste. C'est ouf. Étonnant. Alors, donc on dit Shadow Dancer. Shadow Dancer Mega Drive. Il y a eu un autre truc que vous vouliez voir aussi ou pas? Non. Pas pour le moment. Très bien. Surveille l'heure, c'est bon. On est ok. Mario Land sur Game Boy. C'est là. J'ai pris très cher à jeu donc non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Mario. Ah, il doit s'appeler Super Mario Land en fait. C'est ça. Le voilà. C'est pas la musique que j'avais en tête. Je peux pas descendre là-dedans. J'ai oublié ça. C'est de la déco. Il y avait un... J'ai oublié de le prendre. Tant pis, c'est pas grave. Je peux pas le prendre ça. Ah, ça fait des bombes maintenant. D'accord.
Y'a forcément un truc caché là. Non. Et merci FXCos pour ton like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Est-ce que je tourne en rond? French Cancan, j'avais oublié ça. Quelle est donc cette sorcellerie? Pourquoi c'est French Cancan qu'il y a? J'aimerais aussi le terminer en multijoueur, laisse tomber. Pourquoi? À cause de quoi? Parce que les mecs sont trop forts en fait, c'est ça le... Un Devil May Cry PS2 pour rester dans le thème Beat'em All. Ouais, lequel tu veux voir? Parce que je crois qu'ils y sont tous. Un Bayonetta sur PS3. Yes, alors je l'ai jamais lancé donc je ne sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si je l'ai d'ailleurs. C'est noté. Parce que t'es invincible. Oui, d'accord. J'ai compris. J'ai compris qu'en étant invincible, ça avait déclenché un thème particulier, mais normalement, la musique d'invincibilité de Mario, c'est... Ça n'a rien à voir avec French Cancan. French Cancan, c'est pas t'aimer Mario, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je speedrun le truc et puis on passe à la suite des jeux. Normalement j'ai le temps de tout faire. Par contre, voilà. Ils auraient dû mettre la vie en bas. Pourquoi c'était juste une piècette? N'importe quoi. Le premier, d'accord. C'est noté. Alors le premier en plus, le truc c'est qu'il est lent. Il est très très lent à démarrer Devil May Cry le premier. Alors que tu m'aurais dit un DMC 3. Devil May Cry 3 il commence... Ça m'est tombé sur la tronche ça. Devil May Cry 3 commence direct par un combat qui est dur en plus. Mais en même temps, la difficulté de Devil May Cry 3 est assez élevée. Hein. En fait, en termes de difficulté, et d'ailleurs, c'est corrélé à la chronologie en fait du perso. Ah, je peux pas monter. T'as Devil May Cry 3 en premier, ensuite t'as Devil May Cry 1, et enfin Devil May Cry 2 qui est beaucoup trop facile. Enfin, dans mon souvenir, hein, parce que je les ai pas refait. J'avais commencé à refaire Devil May Cry 1. Et je me suis démotivé. Non, pour celui que tu veux. Non, mais t'inquiète. Tu m'as dit que tu voulais voir le premier, donc je te montre le premier. C'est juste que, du coup, je te le dis, faut pas s'attendre à avoir du gameplay dès le début, quoi. Il est long à démarrer. Hein. Ah, mais faut que je saute par-dessus, faut pas que je le bute. Voilà, on a fait le premier monde. PS2 ou PS3, je sais plus. Alors, Bayonetta. Je crois que c'est PS3, je crois que t'as raison. Je crois pas qu'il soit sorti sur PS2. Le premier et le DMC sont les seuls que j'ai finis. Premier est le DMC. Alors DMC, si tu parles de Devil May Cry 4 sur PS3, c'est ça? C'est étonnant d'ailleurs que tu définis celui-là. Ça veut dire que t'as pas fait le 2? PS3 Bayonetta. Il me semble, hein, il me semble que c'est ça. Alors, Mario Land Game Boy, c'est fait. Donc ensuite... Oui! Voilà. Et donc, Tatsunoko versus... Capcom, il est là. Est-ce que je vais réussir à jouer? Telle est la question.
Le reboot. Ouais, donc le 4 en fait. Le premier qui est sorti sur PS3. Il me semble. Ah, c'est peut-être le 5. Tu m'as mis le doute. Je crois que c'est le 4, DMC. Excellent souvenir de Super Mario Land. Salut Fernando Rodriguez, comment ça va? Content d'avoir pu te raviver la mémoire sur ce jeu. Create a save game, yes. Vas-y, balance. A priori, ça a l'air de se lancer. Ça devrait pouvoir être jouable. Je l'espère. On verra. Du coup, on va peut-être pouvoir jouer avec. Ah bah non. C'est un Capcom. Du coup, on peut pas jouer avec. On peut pas jouer avec des persos que je connais. Alors, Sakura Heroes. Je les connais pas. Je sais pas qui vous êtes. On va faire random parce que je les connais. Ah, il y a Beautiful Joe, je l'ai vu. Lui, je le connais. Mais c'est un Capcom, lui. Il y a Megaman. Megaman Legends. Voilà. J'ai pris des persos que je connaissais. Ah, mais il y avait Chun-Li en face. Quelle tristesse. Devil May Cry 4 est sorti sur PS3 et ils l'ont ressorti sur PS4. Alors quand tu dis Devil May Cry 4, il a été labellisé Devil May Cry 4 ou DMC? Est-ce que c'est une vraie suite? Ou est-ce que c'est le reboot? Magnifique Chun-Li. Alors comment on joue? Ça fait des... D'accord, ça permet de changer de perso. On va tenter des trucs, hein. Quel dommage. Failli faire un truc trop cool. Aïe. Allez! Ah mais d'accord, c'est en tag team en fait. Donc en fait, ça veut dire qu'ils vont m'éclater parce que je sais pas comment on tag. Tu vas mourir! Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Rien a priori. C'est le moment de l'achever là, il y a zéro. Il y avait zéro de vie. Boum! Elle a cassé le truc, dommage. Pour une fois que j'arrive à sortir des techniques spéciales. Je fais des quarts, hein. C'est pas non plus. J'ai réussi à taguer, je sais pas comment. Oh là là, elle a réussi à stocker le truc. Meurs! Voilà. Il est stylé hein, en vrai, il est dynamique et tout comme j'aime bien. Ah mais il y a encore un à tuer. Ça c'est le genre de combat, le genre de jeu de combat qui me font kiffer parce que du coup c'est suffisamment dynamique pour que je sois encore sur le truc et que je sois encore intéressé par le jeu quoi. DMC Reboot avec un jeune Dante aux cheveux noirs. Yes, c'est ça, c'est une préquelle du coup. Mais je l'ai pas fait encore celui-là donc il faudra que je le trouve. Il faisait partie des jeux qui m'intéressaient pour acheter la PS3 et je l'ai jamais acheté. Très bien je trouve, mais descendu par les fans hardcore. Ouais, il paraît qu'il est un petit peu en dehors de la saga quoi. Sur PS3 il a été appelé DMC, c'est la jeunesse du perso je crois. C'est possible. Je crois que c'est ça.
Il y a pas longtemps, je l'avais commandé sur internet en version japonaise, car effectivement, en version PS4, ils ont modifié un peu le jeu. Je précise que la boîte du jeu est écrite en japonais, mais le jeu est sous-titré en français. Alors, on est toujours... Tu parles toujours de DMC, là? Et que... pourquoi il est si critiqué, du coup, ce jeu? Viens. Aïe. Oh, joli ça. Mais Beautiful Joe, je vous conseille aussi ce jeu, il est ultra fun. Hein. Là, c'est le perso que j'ai pris en fait. Là, on est dans un jeu de combat, donc du coup, on voit pas bien le concept. Mais le concept de Beautiful Joe est vraiment cool. Le jeu est sorti sur PS2, Wii et GameCube, il me semble. Et il y a une suite d'ailleurs. Mais les deux sont vraiment très très cool. Je vous les conseille vivement. Par contre, je devrais taguer là parce que mon perso va mourir. Faut que je sache comment on tague. Oh, on a éclaté la tronche. Meurs. Quelle tristesse. Oh oui, ça fait plaisir. Meurs. Ah merde, j'ai lancé la technique alors que il est pas sorti le toit là. Quel dommage. Ah, c'est gagné là normalement. Voilà. Ça y est. C'est par rapport à l'histoire des deux persos, Dante et Virgil, leur jeunesse, puis l'histoire, il me semble. Yes. Du coup, ça se passe avant le 3, du coup. Les fans voulaient une suite à DMC 3, pas une préquelle qui reboot la série. Ouais. Mais bon, après, tu peux pas tout le temps... ce qui est attendu, quoi. Un choisir entre DMC et Bayonetta, je préfère largement Bayonetta. Ah ouais. Je connais pas du tout la licence Bayonetta, donc on verra. Le look androgyne de Dante, il était un peu moins viril pour certains, mais... Il a toujours été androgyne, Dante, hein, donc à part dans sa transfo, Dante, même dans le 2, il est tout queuse avec les tablettes de chocolat. C'est tout, c'est le perso est extrêmement japonais. Hein. Ça fait pas tant de dégâts. Hein. Oh, joli la chope. Il a feinté là. Oh.
Oh, il est passé derrière. Boum. Voilà. Je vais mourir par contre. Il a sauté dessus quoi. Joli la chope. Putain mais quand même, tu regardes ta Ryu contre Megaman, le combat est tellement improbable. Ryu contre Megaman, normalement il est pas censé y avoir photo hein. Mais bon, ça passe quand même. On va peut-être changer de jeu hein. On a compris le principe et je perds pas avec mon équipe qui est imbattable. Alors ensuite, Shadow Dancer Mega Drive. C'est où je galère? Ah c'est là. Alors le voilà, Shadow Dancer. Alors pour la farce hein, on va le faire sans armes parce que sinon c'est trop facile. Voilà. Alors on a ninjutsu, attaque, jump. Alors non. Attaque, jump. Yes. On va faire ça comme ça. C'est Tipar. Bayonetta ou Dante. Les deux sont un bon défouloir. C'est le même genre de jeu en fait. Hein. Ils sont construits exactement pareil. Alors, on saute comme ça, on peut taper comme ça et donc du coup je n'ai aucune arme. J'ai pas les shurikens. Donc, faire tout à la main. C'est pas là qu'il y a il y a une vie qui est planquée quelque part. Alors la difficulté de ce jeu, c'est qu'on se fait toucher, c'est mort instantané. Hein. Ah là voilà la vie. Je sais pas si on a pas une autre planquée quelque part. Alors, que je me souvienne aussi les trucs là. Je crois qu'il y a un ennemi qui est planqué dans une fenêtre. Genre là, non? C'est pas là. Ah non, c'est là. Pas du tout. Je me souviens plus. Ok, ça va. Oh ça va, je me suis fait peur, mais tout va bien. Et là, il y a un ennemi normalement à la fin. Vous souvenez. Voilà. D'ailleurs, Bayonetta 3 se fait bien attendre. Il est prévu pour quand? Et sur quelle plateforme? Alors là, du coup, on a re des shurikens parce que sinon, c'est impossible de le buter.
Ah oui. Ah, le niveau bonus. Le niveau bonus de la triche. Sur Switch. Ah ouais. La Switch, elle va être assez puissante pour pouvoir faire tourner Bayonetta 3. Étonnant. Alors oui. Le niveau bonus. Le niveau bonus où il faut le faire les yeux fermés. Voilà. Sans tricher. Je peux même le faire dodo si vous voulez. Je vous montre ma magnifique magnifique queue de cheval. Voilà, sans regarder l'écran. Je sais pas si je vais y arriver, mais normalement c'est bon. Y a pas de miroir derrière, hein, je ne triche pas. Je sais pas combien je fais, mais je le saurai à la fin quand j'aurai tué tout le monde. Combien j'ai fait ? Perfect. Voilà. Ce niveau bonus est trop facile. Voilà. C'était Shadow Dancer sur Mega Drive. PS2. Et donc on a dit Devil May Cry 1. Alors, il est long à démarrer, mais ça vaut le coup quand même. Exclusivité Nintendo comme le 2 sur Wii U. Ah ouais? Mais du coup, il doit y être, hein, Bayonetta sur Wii U, là, je pense. Merci, petit Seb Gaspard, pour le like. Bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Et bonne année. Aussi. Puisque ce n'est pas un pseudo que je connais. Ce n'est pas un nom que j'ai déjà vu. Bienvenue à toi. On est en léger différé. Je vis 5 secondes dans ton futur. Et merci Mickaël Godot également pour le like. Bienvenue. Et bonne année à toi également. Alors les options, qu'est-ce qu'on a de beau? Sélection de la langue, les sous-titres. On va peut-être enlever les sous-titres. Je crois que ça parle. Ah non, faut que je vous les laisse. Audio stéréo, d'accord. Réglage moniteur, il n'y a rien à faire dans les réglages moniteurs. Paramètres par défaut, on garde. Vibration, oui. Bonne année, merci beaucoup. Et je sais plus si j'ai fait une sauvegarde déjà sur celui-là. Pas de données, d'accord. C'est parti alors. Nouvelle partie. Je vais passer la cinématique, il est long à démarrer ce jeu. Si je peux, hein, si je peux passer la cinématique, parce que c'est pas gagné. Je peux pas. C'est long. Il est long à démarrer ce jeu. Du coup, je vais enlever ma tronche, comme ça je vous laisse la cinématique. A tout de suite. His name was Spartan. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Spartan. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. For the way I figure it,
In this business, a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Time to go to work, guys. No! Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help. To put an end to the underworld. What? Years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Ça y est, on va peut-être pouvoir enfin jouer. Est-ce que je peux passer ça? Toujours pas. Alors je vous avais dit, le début est très très long. Voilà, enfin. Alors que je me souvienne, donc merci, merci Julien Touillon pour le partage. Bienvenue sur le live. Comment ça va ma belle? Bonne année. Alors, donc on saute avec triangle, ce qui est assez, assez étonnant pour cette plateforme. Et puis, on a donc un bouton d'attaque qui est sur rond. Ce qui a du sens par contre. Il faut que je récupère ça là. Voilà. On va essayer de faire un petit combat quand même, histoire de vous montrer. Et après on va passer à Bayonetta. J'espère qu'il n'y a pas une vidéo de 8 milliards d'années non plus à se taper avant. Bayonetta tourne très bien sur la 2 Tera. Il est sur quelle plateforme? PS3 ou oui. J'ai oublié de prendre la moitié des trucs je crois. Il me semble qu'il y a des orbes rouges un peu partout. Ça, merci à toi, bonne année. Merci beaucoup. Ça va bien. Et toi, quoi de beau? Début de la mission. Wii U. Ah, c'est pour ça, tout à l'heure on m'avait dit PS3 pour Bayonetta. Mais on va regarder. Alors, est-ce que je peux faire une sauvegarde? Ah non, on peut sauvegarder qu'à certains endroits, je crois. Sinon, je peux faire une save state. Alors, vite, un combat. Histoire qu'on monte du gameplay. Faut que je récupère des orbes rouges d'abord. Faut que je récupère un certain nombre d'orbes rouges. Parce que ça fait partie de la suite pour pouvoir passer c'est où là justement la fameuse porte à casser là en formation conducteur poids lourd. C'est toujours en cours du coup Bayonetta 1 sur la PS3. Je vais regarder Adrien du coup si je l'ai. J'ai noté moi en tout cas Bayonetta PS3, mais je suis pas sûr de savoir s'il y est en fait. Mais là comme on a un officiel de la boutique présent dans le chat,
Du coup, il nous dit qu'il faut regarder la Wii U. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire. Je sais que c'est ça, hein, mais j'arrive pas à faire le saut. Et merci JP pour le like. Bienvenue sur le live. Bon, j'arrive pas à le faire. Je sais qu'il faut aller là, mais on verra tout à l'heure. Je peux pas passer par au-dessus là. Non. Je peux passer par là par contre, non. Oui. Il y avait des trucs derrière la statue, il me semble. Non, j'y arrivais. Bon, il faut que j'aille là-haut de toute façon. C'est dingue que j'arrive pas à le faire. Ah, voilà. Il y a ces caméras un peu comme dans Resident Evil. Avec les plans fixes. Sur des trucs en. Des décors précalculés. Alors là, je crois qu'on a la sauvegarde qui se trouve ici. Sauf qu'il me semble que pour sauvegarder, il faut utiliser des pierres particulières. Je me souviens plus. Ah, mais j'étais là tout à l'heure, je pouvais juste aller là en fait. Je peux juste faire ça. Ah oui, c'est ça le fun de ce jeu, c'est un coup d'épée, un coup de pistolet. Voilà, le compte est bon là, non? Eh, il y avait pas une il y a une pierre bleue là. J'ai rêvé. Je sais qu'on peut le faire. Je sais qu'on peut le faire, je l'ai déjà fait. Mais j'arrive pas à le faire parce qu'il y a la caméra qui change au pire moment. Il était vendu avec la démo de Code Veronica à l'époque. Qu'est-ce qui était vendu avec le Devil May Cry? Ah bon? Je me souviens pas de ça. Je sais qu'on peut le faire. Il faut que j'y arrive. C'est dingue. Est-ce que si je saute sur celui-là, peut-être? Je sais qu'on peut le faire, c'est juste une histoire de caméra. Je l'ai déjà fait. D'autant qu'on est obligé en fait, puisqu'il y a la pierre bleue à aller chercher. Ah voilà. Je savais bien qu'on pouvait y aller. Je passe en l'heure avec des bisous, je garde quand même une oreille, c'est mignon. De toute façon, je vais pas m'éterniser. Hein. Il reste 20 minutes, donc on va faire un petit combat de DMC. Et puis après, on va passer sur Bayonetta. Et après, on va passer à table. Bonjour! Vous avez utilisé 45 sphères rouges. C'est parti. Le combat. Quelle époque DMC était nouveau? Sortir avec un jeu attendu a aidé à le faire connaître. Ouais, mais pourquoi il est si mauvais que ça, Code Veronica? Je l'ai jamais fait. Je me suis arrêté à Resident Evil 3. J'ai fait Survivor aussi, parce que j'aimais bien les jeux avec le pistolet. Mais je l'ai pas fini, il me semble. Je sais plus si je l'ai fini, Survivor. Je crois que si. On mange quoi ce soir? Aucune idée. Pas grand chose à mon avis. Hein. Le frigo est vide.
Je sais qu'il est long ce jeu, mais désolé, hein, mais vous me l'avez demandé, hein, donc si je veux vous montrer du gameplay, je suis obligé. Véronica est très bien, d'accord. Je sais que vous vous ennuyez, mais moi aussi, hein, mais vous me l'avez demandé. Hein. Le problème de ce jeu, c'est qu'il il commence que au bout de 20 minutes. Et je peux pas grand chose. Je crois qu'il faut aller là. Voilà. Je sais plus ce qu'il faut acheter en plus. Enfin, rien du tout, je crois. Et après, je sais plus. C'est là, hein. De toute façon, la suite, c'est obligatoirement là. Tac et tac. Voilà. C'est parti. Voilà, le jeu va commencer. Dans 2 minutes. D'abord, je récupère des trucs. Lui, c'est un méchant. On va pouvoir se battre contre lui. Je sais plus si on peut grimper sur ça. On peut y insérer des objets. Ah oui, c'est ça, faut insérer des objets. C'est parti. Le jeu. C'est pas tout de suite. Ah ouais, faut monter. Oh, j'avais oublié ça. Ça arrive, hein, ça arrive. Je vous ai dit 2 minutes. Hein. Attention, attention, attention. Voilà. Le début du jeu. C'est parti. Et là maintenant ça devient fun. Alors par contre faut jouer mieux. Je sais plus comment on joue. Il y a un truc où normalement on peut viser les gens. Parce que là je me fais éclater, hein, quand même. Descends, idiot bête. C'est dingue. Il veut pas descendre. Comment? Descends! Allez! Ah, quand même! Je sais plus. Je crois qu'il faut descendre. Voilà. Ah, ça a été compliqué. Hein. Voilà, c'était le début du jeu. Je suis déjà mort. Ça se passe pas bien. Heureusement, après il y a Bayonetta. Est-ce qu'on a le temps de voir un boss? Je suis pas sûr.
super jeu que bon. C'est un excellent jeu, mais le truc c'est qu'il est très très long à démarrer quoi. Ah voilà, faut que je tue des gens. Je pense pas pour un boss. Ouais, on aura pas le temps, c'est ça. Je sais plus, c'est là ou pas. C'est pas là. Normalement, ils sont censés se réveiller, eux. C'est forcément là. Je sais plus comment on fait. Faut taper là-dessus, non? Voilà. J'avais oublié. Je vais mourir. Normalement, on peut faire des uppercuts. Je sais juste plus comment on fait, mais. Parce que là du coup j'ai un score naze. Oh là. Oh là là. Oh là là, j'ai tellement pris cher hein. Bien que tu donnes de la vie un jour. Normalement il y a une astuce hein, vraiment pour faire des uppercuts. On peut contrôler la lame normalement. Ok, du coup je suis mort. Tant pis. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Déjà à la prochaine, merci pour ton live, c'est toujours un plaisir de voir jouer. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Des gros bisous, repose-toi bien. Bon bah on est décédé. C'est pas grave. Je sais plus. Ouais, je sais qu'il y a des compétences que tu débloques plus tard, notamment tout ce qui est transformation démoniaque et compagnie. Il y a les pouvoirs, il y a des pouvoirs spéciaux. Mais normalement, il y a un truc que je faisais tout le temps dans Devil May Cry, c'est sauter, mettre un coup d'épée, ensuite mettre un coup d'épée en uppercut et laisser et tirer avec les flingues pour qu'il reste pour que le personnage reste en l'air. Mais sauf que j'arrive plus à maîtriser l'épée. Normalement on peut contrôler comme on tire. Et enfin Bayonetta PS3, est-ce que je l'ai au moins? Je l'ai pas sur PS3 donc je dois l'avoir sur Wii U. Le voilà, Bayonetta 2. J'ai pas Bayonetta 1 sur PS3. Désolé. Ah, vous avez dit PS2 aussi. Attendez, je vais regarder PS2 d'abord. Histoire de mettre vraiment le... vraiment celui que vous avez demandé. Ouais, forcément. Je l'ai un petit peu... Je l'ai un petit peu énervé, là. Alors, où il est? On a dit PS2. PS2, 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 PS2. C'est où? C'est là. Y a pas Bayonetta. Bon, très bien, on va lancer celui de Wii U, le Bayonetta 2. Parce qu'au moins celui-là, je l'ai. Tac. Voilà. Et là, ce coup-ci, j'évite de le contrarier.
Comme ça, il se lance normalement. Temps de chargement. Ah, je l'ai jamais lancé, donc il a des trucs à compiler. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a déjà les parties, donc ça, je pense que c'est la boutique qui l'a testé. Ah. Ouais, oui, c'est vrai que c'est Nintendo, donc il faut que j'appuie avec rond. Scénar. Première apothéose. Effectivement, jouer en automatique. Bah non, on va jouer nous. J'espère qu'il n'y a pas une vidéo. Hein. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de regarder une vidéo là. Il nous reste 8 minutes. Ça va sonner direct. C'est quoi? C'est une question ou c'est une. Ou c'est une affirmation. Merci Philippe Senatore pour ton like. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Et bonne année aussi. Par contre, c'est magnifique. Hein. C'est beaucoup plus joli que la PS2. Surtout les plans comme ça là. Le plan du temps arrêté là. Magnifique. C'est un peu faible le son, par contre. Je vais vous le remonter. Je suis à balle, je peux pas mettre plus. C'est beaucoup plus dynamique que Devil May Cry aussi. Je rêve ou des fois je suis tout nu. Ah non, c'est un reflet, d'accord. Peut-être pas, remarque. J'ai l'impression que des fois je suis tout nu quand même. Most of all, ours. And the one that ruled the chaos became known as Ace. J'ai pas de barre de vie, donc je pense que c'est une introduction jouable. Une affirmation, il me semble, et les cinématiques peuvent être avancées. Ah ouais, comment? Reprendre la cinématique. C'est quand même, c'était une cinématique jouable hein, quand même. Parce que c'est vraiment moi qui contrôle là. Vous voyez là, c'est le mouvement est pas du tout est pas du tout normal. Hein. Je suis pas sûr de comprendre tous les trucs qu'il faut faire, mais y a pas un tutoriel pour apprendre les coups. Par contre, c'est ce genre de jeu est ultra fun, hein. C'est défouloir de fou. Mais le son mériterait d'être plus fort quand même. Elle est presque nue quand elle invoque. Ah. C'est pas du tout ciblé. Hein. Tu m'étonnes après que les fémen aient râle. Pendant les chargements, il y a le tutoriel et pendant le chargement. Faut que je tape dans le genou. Je sais pas ce que je fais, mais j'ai l'air de lui faire du mal. Alors faut quand même que je comprenne le bouton. On a un bouton de saut qui est sur croix, ce qui me plaît beaucoup plus. L'épée se trouve sur triangle visiblement. Ce qui veut pas dire grand chose hein, sur Wii U, ça veut pas dire grand chose, mais c'est pour parler de la manette vu que t'as une manette PS4 avec. Au moins qu'on sache quoi. Elle est partie de son pouvoir dans ses cheveux qui lui servent de vêtements aussi. Du coup c'est quoi? C'est basé sur le mythe de Samson. Je connais pas du tout la licence hein, donc. Elle est sexy, il faut le dire hein, quand même.
Par contre, ça, c'est une vraie cinématique. Ah, si, on peut la passer celle-là. Voilà. Comme ça, on va faire un peu de jeu. 4 minutes. Et après, je vous laisse tranquille. Comme ça, on va manger. Ah, c'est le Joker, je le reconnais. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà. Si vous avez des suggestions de jeu, des questions, tout ça, n'hésitez pas à poser sur le groupe d'entraide. Je regarderai petit à petit. On peut passer aussi cette cinématique. On a envie de jouer directement. Merci pour le live, je vous en prie. C'est pas fini encore. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire un petit peu de gameplay quand même. C'est encore une cinématique. Commande tactile. Non, je veux pas jouer en tactile. J'ai pas de tactile. Appuie sur X pour donner un coup de poing. Alors, le problème, c'est que X, du coup, sur Nintendo, c'est quoi? C'est ça? Donc, c'est triangle. Coup de pied, d'accord. Ok, il m'indique quand même où c'est. Ok. Ah ouais, stylé. Maintenir. Pour tirer. On peut tirer avec ses pieds donc. Intéressant. Esquive. Alors c'est quoi? Je suis... D'accord, c'est celui-là donc. Très bien. Envoûtement. Le temps passe en ralenti, d'accord. On va réessayer parce que je suis pas sûr d'avoir bien pigé. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Refait. J'appuie sur le bouton. Beaucoup trop tôt du coup. Voilà. Je l'ai éclaté par contre. Ok, cool. J'ai tout compris. Le fun. Agresse-moi toi. Voilà, j'ai gagné un truc. Je vous laisse bon courage pour le reste de la semaine et à la prochaine. C'est trop mignon, merci beaucoup. Des gros bisous. À la semaine prochaine. Reviens quand tu veux, hein, tu le sais de toute façon. Moi je suis là que les mercredis, mais il y a d'autres streamers. Hein. On a Joey qui est là le vendredi. Il y avait Hirolnaf qui était là le lundi soir, mais en ce moment il a ses études. Du coup c'est un peu compliqué. On a encore une cinématique. Alors un dernier combat et puis Cassos, je vous laisse tranquille. C'est vraiment ultra fun. Par contre je comprends pas pourquoi il y a les anneaux de Sonic dedans, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment fun. Difficulté un poil plus facile que Bayonetta 2. Que Bayonetta 1. Ah bon? Clin d'œil à Sega sûrement. Pourquoi il y aurait un clin d'œil à Sega? Ah merde, du coup je suis mort parce que j'étais en train de regarder le chat. Pourquoi il y aurait un clin d'œil à Sega?
Ça a été développé par Sega, c'est ça? Ah ouais, peut-être, j'ai pas fait gaffe. C'était peut-être marqué au début. En même temps, c'est leur style de mettre de la pop japonaise dans des jeux qui ont absolument aucun rapport. Hein. C'est marqué Platinum Games. Je vais relancer le jeu parce que je crois qu'il y a un écran, il y a un écran quand même au début qui dit Sega et Platinum Games. Voilà. Du coup, voilà, ça confirme. Ouais, je vais attendre deux secondes juste qu'il y ait l'écran parce que je crois qu'il y a un, il y a un écran quand même qui dit Sega au début. On va juste vérifier ça et puis après je vous laisse. C'est ça, Nintendo Sega, je le vois, 2014. Très bien. Eh ben super, merci les enfants. Voilà, c'était c'était Jay. J'étais sur la Retrobox 4 Tera. Je rappelle que si cette console vous intéresse, ou n'importe quelle autre console, parce que c'est ultra fort, n'importe quelle autre console de la boutique Retro Gaming vous intéresse, vous pouvez utiliser le code promo J10, J-A-Y-1-0, pour avoir une réduction magnifique sur votre commande. Et donc vous aurez sensiblement la même chose que moi, hein, sauf que vous, vous aurez une version plus à jour et plus récente. Et vous aurez aussi un autre thème qui me fait plein de l'œil. Donc je vais regarder comment faire pour ajouter ce thème là. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de, pour la semaine prochaine, mais encore une fois je vous promets rien, de préparer un disque dur pour rajouter des jeux... L'idée c'était de rajouter des jeux PS3, je sais que c'est le truc qui est un peu galère à faire. Donc j'ai déjà préparé des jeux, mais il faut que je les mette sur le disque dur et que je les installe ensuite sur, le, sur la console, et c'est pas forcément évident, mais au moins qu'on puisse voir comment ça tourne quoi. Voilà les enfants, des bisous à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la semaine prochaine, ciao!